Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode Mom and Baby. Alors je vous propose aujourd'hui trois coiffures que j'apprécie et que j'aime faire à Lily Rose. C'est parti! Alors pour ce premier tuto, on va partir sur juste pour dégager le visage de bébé. Donc souvent, c'est d'ailleurs les premières coiffures qui sont les plus simples à faire puisque souvent, c'est là où bébé a des cheveux. Donc je vais tout simplement bien rassembler tous les cheveux au-dessus de la tête et en faire une petite couette. Alors on peut se contenter de rester sur cette coiffure, ça fait un petit palmito. Sinon, pour développer un petit peu, on passe son doigt au milieu de la couette de l'autre côté et on vient retourner la couette de bébé. Donc quand il faut un petit peu de longueur, on vient fixer avec une petite barrette. Et je trouve que ça fait une coiffure un petit peu plus travaillée et ça enlève le volume palmito habituel. Pour la deuxième coiffure, on va prolonger la coiffure que je vous ai présentée en premier. Si votre bébé a des cheveux sur le côté, eh bien on va venir tout simplement les rassembler en petites couettes à l'arrière, une de chaque côté. Si bébé n'a pas trop de cheveux, vous pouvez les faire un petit peu plus en hauteur au-dessus des oreilles. Ainsi, vous dégagez le visage de bébé et la coiffure, eh bien, je trouve plutôt mignonne. Pour la dernière, on va faire une raie au milieu des cheveux de bébé et on va simplement reproduire la même petite coiffure que Boo dans Monstrecy ou Monstre et compagnie, ça dépend comment vous le prononcez. Ou tout simplement quand bébé a un peu de longueur, on va venir replier en petite boule les cheveux de bébé pour pouvoir faire comme deux petits mini chignons sur la tête de bébé. J'adore lui faire cette coiffure, je trouve que ça lui va bien. Et je trouve que c'est mignon et ça change un petit peu des petites couettes classiques. Et la petite touche en plus pour moi, c'est que j'adore lui mettre des petites barrettes. Donc là, je lui ai mis des petites barrettes fleurs. Enfin, elle ne s'est pas trop laissée faire, mais j'ai fini par y arriver. Et voilà, elle est toute mignonne. Enfin, bon, en tout cas, c'est des coiffures que j'adore lui faire. Et Lily Rose, eh bien, garde bien les coiffures que je lui fais. À part des fois qu'elle vire une barrette, elle me laisse toujours les couettes tranquilles. Voilà. Ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la coiffure sur les trois que vous avez préférée. Et si vous avez envie d'un autre tuto coiffure bébé, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus pour que ça me donne une indication si ce type de vidéo vous plaît. Et je vous donne rendez-vous demain à midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 12h pour un nouveau Mom & Baby. Ciao!